Ce samedi 4 mars dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a fait la rencontre de Riyad, un nouveau candidat qui lui a confié son téléphone portable pendant toute l'émission. L'occasion pour l'animateur de surprendre un membre de la famille du participant. Voilà bientôt 13 ans que Jean-Luc Reichmann présente chaque jour les 12 coups de midi sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce samedi 4 mars, l'animateur a retrouvé le maître de midi Florian, qui n'est autre que le petit frère d'un ancien champion du jeu de la première chaîne, et a fait la connaissance de trois nouveaux candidats, dont celle de Riyad. Originaire de Marseille, ce dernier a révélé avoir eu quelques difficultés à trouver le studio où l'émission est enregistrée. Et pour cause, il a donné la mauvaise adresse à son chauffeur de taxi. Il y a 2h30 de rue Proudhon, du coup, je me suis retrouvé à Argenteuil. Quand on est arrivé là-bas, le taxi m'a dit, mais c'est pas là les 12 coups de midi, c'est à Saint-Denis, a raconté le jeune homme, venu accompagné de son frère jumeau, Nasser, et d'une amie. Jean-Luc Reichmann appelle le chauffeur de taxi d'un candidat. Heureusement pour lui, Riyad a eu la chance de tomber sur un chauffeur conciliant, qui ne lui a fait payer que la moitié de sa course. Il m'a fait payer l'aller mais pas le retour, a-t-il confié. De quoi énormément toucher Jean-Luc Reichmann, qui a tenu à appeler le chauffeur de taxi pour le remercier. Des gens comme vous, on en a besoin. Vous êtes une belle personne, a déclaré l'animateur, qui a passé cet appel depuis le téléphone portable de Riyad. Mais le compagnon de Nathalie Lecoutre ne s'est pas arrêté là et il a aussi appelé Jamila, la mère de Riyad. Je suis avec vos deux fils et c'était juste pour vous dire qu'ils sont exceptionnels. Riyad a eu des petits problèmes avec le taxi parce qu'il s'est trompé d'adresse et Nasser a oublié son téléphone, donc le taxi est revenu de Roissy-Charles de Gaulle. Mais tout va super bien. Ils sont vivants et avec nous. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout est sous contrôle. Jean-Luc Reichmann en FaceTime avec le frère d'un candidat en plein direct alors qu'il avait toujours le téléphone portable de Riyad sur lui. Jean-Luc Reichmann a ensuite répondu à un appel provenant de Malik, le grand frère du candidat. Celui-ci a d'ailleurs eu beaucoup de mal à croire qu'il s'adressait au présentateur des 12 coups de midi. C'est qui ? A-t-il lâché, visiblement surpris d'entendre une autre personne que son frère lui répondre. Ben, c'est Jean-Luc Reichmann. Vous ne me reconnaissez pas ? A rétorqué l'animateur, très amusé. Hein ? C'est vrai ? S'est étonné Malik, qui s'est ensuite empressé d'appeler le présentateur en FaceTime. J'ai piqué le téléphone de ton frangin donc c'est moi qui réponds, a alors expliqué Jean-Luc Reichmann à l'agent hospitalier, qui lui a confié qu'il regardait l'émission tous les midis avec ses patients. De quoi toucher l'animateur en plein cœur. À lire aussi, Jean-Luc Reichmann rend un vibrant hommage à Jean-Pierre Pernaud dans les 12 coups de midi, Nathalie Marquet, je pense très fort à toi.